Et après, le Premier ministre s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine au Gabon à son cabinet de travail. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de l'opération entre les deux pays. Compte rendu, Jacques Fourier, Mangouma, Alain Serge et Yéné. Le Gabon et la République populaire de Chine revisitent leurs relations de coopération dans plusieurs domaines. Le chef du gouvernement, Julien Kogwebekale, et l'ambassadeur de Chine dans notre pays ont évoqué ces questions au cours des échanges à haute portée diplomatique. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le Premier ministre, dans l'occasion d'échanger des points de vue sur la commémoration du 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Donc j'ai porté à sa connaissance le bon déroulement de tous ces projets de coopération entre nos deux pays, par exemple les travaux de rénovation de l'Assemblée nationale qui seront démarrés dans un mois, et puis le bon déroulement des travaux de construction de la route PO Port-Gentil-Ombwe qui approche son accomplissement. Et puis les trois centres de formation professionnelle qui sont en cours de construction. La commémoration des 45 ans des relations de coopération entre les deux pays est la parfaite illustration d'une excellente amitié.